Salut à toutes et à tous, c'est Crobac, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Horizon Zero Dawn. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents qui ont suivi juste après la cinématique d'introduction de cette vidéo, nous avons survécu à l'éclosion, donc cette fameuse épreuve que la tribu nous a demandé de réaliser pour être plus ou moins considéré comme l'un des leurs. Souvenez-vous, ça s'est plutôt mal passé à la fin, donc la majorité des personnes sont mortes, on ne sait pas si tout le monde est mort suite à cette éclosion. Par contre, on sait définitivement que Rust, notre père adoptif, est décédé lors de cette fameuse éclosion. Je me soigne juste vite fait. Alors pour la petite histoire, ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué à cette Horizon. J'espère que tout va bien se passer, que je vais retrouver vite fait mes marques. Bon, à ce que je vois, ça a l'air d'aller, donc sauter, oui, bien sûr. La petite roulade qui va bien, on avance, et nous allons devoir faire les entrailles de la montagne, chercher le focus, donc notre fameux focus, qui a disparu de notre oreille, souvenez-vous, hein, ce petit gadget qu'on a retrouvé chez nos assaillants lors de l'éclosion. Eh bien, finalement, on n'était donc pas les seuls à le porter, et dorénavant, nous allons devoir trouver des réponses à tout ça. Allez, je me permets d'avancer un peu plus vite, et cinématique. Mes vêtements... Ouf. Mais où est mon focus? Ah, voilà, ok. Mais... Je serai dans la montagne sacrée? Mais... Seuls les matriarches peuvent y entrer. Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur, où est-ce qu'ils sont? Ah, j'aurais pensé à un éventuel collectable de ce côté-là, pardon. Donc on a récupéré le focus, donc grâce à la touche R3, on peut analyser... Je continue à chercher. ...notre environnement. Regardez, bah, ici on voit, par exemple, porte de bunker, porte anti-explosion, etc. Ici on a une trappe de confinement sécurisée. Un tas de choses finalement, et là on doit retrouver surtout notre équipement. Notre fameux équipement. Ouais, alors je pense que c'est honnêtement par là, mais j'ai envie de fouiller un peu. Éventuellement on trouvera des choses. Ça sert à rien de rester là. À collecter. Bon, ok, si même Aloy nous dit que ça ne sert à rien d'être là, allons tout droit dans ce cas. Par contre, ce qui est original, c'est que finalement, tout ce que l'on voit autour de nous a l'air de réagir au focus. Donc, peut-être que la tribu utilise en fait le focus sans nous l'avoir vraiment dit.
Souvenez-vous. En tout cas, c'est très particulier, ça hein, comme endroit. Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Là, avec toutes mes affaires. Ok, très bien. On récupère l'équipement, les vêtements et tout ce qu'il nous faut. Essayez de me tuer juste parce que je te ressemble. Alors, tu es réveillée? Tu m'as amenée ici? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça? À l'endroit où tu es venue au monde. Tu veux dire que je suis née ici? Au cœur de la montagne? Je préfère que tu... Pardon. D'accord, très bien. Donc tout s'éclaire gentiment de notre côté. Donc on a récupéré notre arc. Mystérieux, hein, quand même, toute cette histoire. Est-ce que la matriarche était au courant de qui nous étions? Très certainement, hein, je vous le dis. Mais, ouh, regardez, c'est vraiment très beau ici. Nous t'avons cru à la bénie. Et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr. Mais Jeza m'a appuyé. Ma mère est ici? Je vais la rencontrer? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Traduction, ta mère est morte. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Ok, parlez à Tirsa. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein? Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Viens. Quel est cet endroit? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal et t'a donné naissance. Aloy, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde? Eh bien, en fait, j'espère qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais juste posée là? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne.
un cadeau offert par la toute-mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau, une malédiction. Mais ce n'est pas une déesse. Aloy ! C'est une porte. Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère ? Oh ! Oh ! Attention, identiscan. La déesse, elle part. C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non. Accès refusé. Non, non. S'il vous plaît. La toute-mère t'a parlé, elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les maux de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre? Tu m'as parlé de vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi, parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Olin. C'était l'un des visiteurs, juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vu. Il vit à Méridian. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens, on va arranger ça. D'accord, ok. Tu as dit que tu risquais de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Très intéressant tout ça. Donc il y avait bel et bien une civilisation là. Comment ont-ils été vaincus? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la toute-mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc, quel est ton plan? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais né et te laisser suivre le chemin que la toute-mère te destinait. Cette bande originale me dresse les poils à la verticale, hein. Vraiment excellent. Les autres matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Bon, je vous laisse vous... Pardon, je vous laisse vous immerger un peu plus dans le jeu, hein. Il y a pas simplement de dialogue et j'ai pas forcément envie de tout couper pour rien. Alors ça y est. Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse? Ma sœur. Pour une fois, Lansra, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites-la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Aloy, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute-mère te protège et te sustente. Sois raisonnée.
Je vais aller me préparer pour les... Tous nos espoirs reposent sur toi. Tire ça. Qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plutôt, s'il le faut. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander ? Que puis-je faire d'autre ? Non, les tueurs... J'ai bien envie de savoir qui c'est... Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs. Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Barle, un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Comme d'hab. Qu'a-t-on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. C'est toujours ça. Je peux aller n'importe où. Alors, je peux vraiment aller partout, sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Ok, on va pas forcément lui poser 26 000 questions, on va avancer un peu. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Oh oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mère te bénisse et te protège. Que la force soit avec toi, Aloy. Alors, que doit-on faire ? Parler à Resh, le nouveau chef de guerre. D'accord, très bien. Tac, tac. Je peux pas parler à tout le monde, hein. On va quand même un petit peu avancer, parce que là, c'était énormément d'éléments de scénario. Très intéressant, d'ailleurs, ces éléments. Mais on a finalement pas vraiment répondu à nos questions. On verra comment va se goupiller la suite. La terre a soif de pluie. Elle a sauvé beaucoup de moi pas trop. J'ai ma petite opinion quand même sur qui étaient nos assaillants, qu'est-ce qu'ils cherchaient et tout ça. Je vais pas la partager maintenant, on verra au moment où on aura nos réponses si j'avais raison ou non. J'ai pas forcément envie de lancer le débat et que finalement tout le monde en commentaire me dise « Mais non, mais rien à voir, t'as complètement tort, pardon. » Donc voilà, c'est aussi le but de pouvoir vivre tout ça ensemble. Alors que je fais le plein de cannes de rivage, je sais pas vraiment à quoi ça me servait. Peut-être éventuellement à me créer de nouvelles flèches. Attendez. Hop, on fait juste le plein. Au cas où on devrait se battre. Oh, très joli. Très joli saut. Alors, guet de la mer. Il y a toujours plein d'objets à choper. Je suis horrible dans ce genre de jeu, je m'excuse, hein, mais dès que je vois quelque chose à attraper, je peux pas m'en empêcher. Parce que c'est un peu comme dans tous les RPG, finalement. Ah, et en plus, regardez, là, j'ai bien fait. Hop là. Oui, j'arrive. Teb ? Béni soit la toute mère. Ah, c'est lui qui me parlait ? Tu es vivante. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu de mes yeux. Ah, je suis content que tu ailles bien. Et en plus, tu portes la tunique que je t'avais faite. Je suis flatté. J'avais pas vraiment d'autre choix. Pourquoi es-tu là ? Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Teb ? Tu es tailleur, pas guerrier.
La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves, pas vrai? Il y a un peu de ça. Des rumeurs, les portes. Non, bah écoute, au revoir. Il faut que j'y aille, Teb. Sois forte, alors. Il n'est pas ma priorité pour le moment, ce fameux Teb. Moi, je vais aller voir là-haut. Ignorez-la. Poursuivez l'emport. Il paraît que... Je dois franchir les portes. Et pourquoi je laisserais une paria me donner des ordres? Depuis que j'ai été nommée chercheuse. Depuis que j'ai été nommée chercheuse, ouvre ces portes. Toi? Une chercheuse? Tirsa et Jeza sont devenues folles? Déjà qu'elle te laisse participer à l'éclosion. Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. On l'a jamais vraiment aimé, lui. Tu n'es personne, tu insultes les morts. Fais attention à ce que tu dis. Tu insultes les morts, ça me paraît pas mal. Comment est-ce que tu peux dire ça? J'ai combattu avec ces jeunes. J'étais à leur côté, jusqu'au bout. Je les ai vus tomber. Si un seul d'entre eux avait été un vrai Nora, il t'aurait planté une flèche dans le dos. Bresh, arrête. Tais-toi. Je suis ton chef de guerre. Et moi, une chercheuse nommée par les hautes matriarches. Alors ouvre les portes et je pourrai enfin m'en aller. Dégage donc nos terres, je préfère. C'était quoi? Ok, combat, c'est parti. Préparez-vous. Je chope juste ça au passage. Ok, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Bon, ils vont arriver par là. Ça ne sera pas long. Alors, tuer le démon et les machines corrompues. Et c'est parti. Ok, ça commence. Ça commence mal. Bon bah, c'est comme je vous l'ai dit. Hein. Ça fait... Oula, attention. Ça fait... Oh, punaise. Ça fait un moment que j'ai pas joué. C'est pas très beau jusqu'à maintenant. Allez, 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 on court un peu, on cherche un angle de tir. On se concentre surtout. Allez, va mourir. Oh la... Ok, va mourir, c'est moi qui claque. Bon, du coup, on en a la preuve. Il déconne absolument zéro, celui-ci. Est-ce que, par hasard, je peux... Ah là là, mais j'ai encore de la peine. Je suis encore à fond dans Zelda, dans les commandes. Ça sera pas long. On va se concentrer. Voilà. À l'attaque ! Attention, galopeur ! Ah, le galopeur, honnêtement, c'est pas ce qui me fait le plus peur, malgré leur nom. Sur là, il y en a un qui est à moitié cuit. Alors, on reste bien en hauteur, on se fait justice. Oula, attention. Je l'avais absolument pas vu arriver, celui-là. Oh, punaise. Ok, 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 ok. Ça craint. Allez, toi, t'es cuit. Oh, oh. On va peut-être se barrer de lui, là. Je vais juste analyser la bestiole là. Ok, j'ai vu ton point faible à toi.
arrête de bouger. Ou alors s'il bouge, mais... Oh, punaise. Allez, plus de munitions. On court. On confectionne vite fait. Voilà. C'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Ça bouge vite, ça bouge très vite. Et je suis un peu rouillé. Oula, venons pas par là. Gentil à l'œil, mais si tu pouvais juste... ne pas foncer n'importe où. Oh, punaise. Ok, il s'en prend qu'à moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, cours à l'œil, cours à l'œil. Oula, 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 qu'est-ce qu'il fait? Ah, en fait c'est moi qui crame. Oh là 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 là. Ouais, non mais sans déconner. Sans déconner, il est vénère, il est très très vénère, hein. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il a pas aimé, en tout cas. Allez, on se concentre, un peu de skill, voyons. Alors je vous dis, quand vous changez de jeu en cours de route, c'est vraiment pas évident pour vous y remettre. Surtout un jeu comme celui-là, qui est quand même, waouh, relativement nerveux. Allez, on y est presque, on y est presque. Il y a par là. Pardon, mauvaise touche. Je vais juste essayer si le feu c'est plus pratique contre lui ou non. Waouh. Ok, c'était pas évident. Une vague de tueurs pendant l'éclosion. Il y en avait un. Comment tu as fait? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment? Voilà. Tu t'es servi de ça. Mais... ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser? Ça vaut le coup d'essayer. Je vais le fixer juste là. Voilà, ça devrait tenir. Faut juste faire un test. Aloy, comment tu as fait ça? Tu as tué ce démon? Et arraché ses entrailles? Sa capacité à contrôler les machines. Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'étreinte, je crois. Parfait. En plus, c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varl. J'ai toujours su que tu étais différente à l'œil, mais... Mais... quoi? Je pense que tu es un don de la Toute-Mère. Resh peut dire ce qu'il veut. Merci, Teb. Bon, faut que j'y aille. Oui, je sais. Et je te souhaite bonne chance. Ok. Alors, on a terminé ça. Je vais juste crafter un peu tout ce qu'on peut trouver sur ces bestioles, hein, ici. Ouais, alors, c'était un combat intéressant, mais par contre, mon manque de skill était assez affolant. Mais dans l'ensemble, on a réussi quand même ce qu'on devait, et on est même monté niveau 7 au passage. Voilà, je crois que j'ai tout eu. Et du coup, ben, nous devons pirater un galopeur, mais ça, vous l'aurez compris, on le fera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez discuter du jeu, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux également, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez qu'on ait un peu des conversations autres que sur Horizon Zero Dawn. Ce sera avec plaisir. Je vous dis, passez une bonne fin de journée ou de soirée. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye tout le monde.